parents soient riches, tu vas mourir. Que tu roules dans la plus belle voiture d'un. Tiens, tu vas mourir. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que mon volume est bon? Est-ce que le micro est bien? J'espère que vous allez bien ce matin par la grâce de Dieu. Moi, je vais très, très bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Bonjour, ma sœur Assetou. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta journée d'hier s'est bien passée. Bonjour, le frère Samuel Teki. Merci d'être là ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. Je me porte très, très bien par la grâce de Dieu. Et je suis fière de vous revoir encore ce matin pour un autre moment de partage de la parole de Dieu avec vous. J'espère que vous êtes bien installés. Bonjour, Joseph. Comment tu vas? Merci. Amen. Sois béni aussi. Amen. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer sans vraiment perdre du temps. Nous sommes toujours sur notre série que nous avons commencé hier. Et notre série est intitulée Les stratégies que l'ennemi utilise pour essayer de nous vaincre. Amen. Les stratégies que l'ennemi utilise pour essayer de nous vaincre et pour faire un petit récapitulatif, je voudrais dire que hier, nous avons introduit cette série. Nous avons commencé par l'introduction, une introduction qui n'a pas été terminée. Nous n'avons pas terminé l'introduction, malheureusement, mais nous allons continuer aujourd'hui et entrer véritablement dans le vif du sujet. Mais comme récapitulatif, j'aimerais tout simplement dire que hier, nous nous sommes rappelés parce que je pense que pour plusieurs d'entre vous qui êtes connectés et qui m'écoutent, qui nous écoutent depuis hier, c'est juste un rappel et un rappel à nous à comprendre davantage que nous ne sommes pas seuls, que Dieu ne nous a pas créés, nous a pas envoyés dans cette vie. Et tout en nous laissant seuls, nous ne sommes pas seuls dans tous nos combats, nous ne sommes pas seuls dans tout ce que nous traversons. Nous devons avoir l'assurance que le Christ est là. Nous devons également être conscients que de la même manière que le Seigneur Jésus veut notre intérêt, il a nos intérêts à cœur. L'ennemi également a ses propres intérêts envers nous. Parce que la Bible nous dit que nous avons été transférés de son royaume vers le royaume de la lumière du Fils de Dieu. Donc, il y a ce combat perpétuel. Et c'est un combat qui ne va jamais cesser. Aussi longtemps que tu vivras, ce combat demeurera. Donc, il n'arrivera pas un temps où tu vas dire l'ennemi ne va plus s'attaquer à toi. Mais si tu es toujours opprimé en ce moment où je parle, sache qu'il arrivera un moment. Et cela est fonction de ta compréhension de la parole. Cela est fonction de ta découverte de ton identité. Cela est fonction de la connaissance de qui tu es et de qui le Seigneur Jésus-Christ est. Donc, il arrivera un moment où, même si tu croises l'ennemi face à face, il ne te fera rien. Il ne te fera pas douter de la parole de Dieu. Il ne te fera pas peur. Et nous avons vu que la raison pour laquelle l'ennemi s'attaque à nous, c'est pour nous faire douter des promesses de Dieu. Amen. La raison pour laquelle l'ennemi s'attaque à nous, c'est pour que nous puissions douter des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'attaque à nous, il crée des situations désagréables autour de nos vies. Amen. Il crée des situations désagréables pour nous faire douter des promesses que Dieu nous a faites, pour nous faire commencer à nous poser des questions quant à l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est ce que l'ennemi fait. Il le fait aussi, il travaille avec les non-croyants également, mais sauf que c'est différent parce que de toute façon, il est beaucoup plus à l'aise avec eux parce qu'ils sont toujours dans son camp. Et son but, c'est de les maintenir. Voilà pourquoi nous devons prier beaucoup pour les membres de nos familles qui se croient aisés, qui se croient tranquilles parce qu'ils n'ont pas de problème, qui se moquent même souvent de nous parce que
C'est nous tout le temps qui crions, oh, j'ai des problèmes d'attaque spirituelle. Parfois, dans une famille, tu peux vraiment être incomprise. Tu peux vraiment être incomprise. Et c'était le cas dans ma famille. Lorsque je partageais souvent des expériences spirituelles que j'avais, les gens ne me comprenaient pas. Les gens pensaient que j'exagérais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas. Amen. Donc, l'ennemi vient s'asseoir sur une famille et lorsqu'il y a des membres d'une famille qui ne connaissent pas le Christ, il s'assure de mettre des barrières autour de ces personnes-là pour que jamais la parole de Dieu ne puisse pénétrer leur cœur. Et quand c'est comme ça, quelle que soit la quantité de paroles qu'on va donner à ces personnes-là, il n'y aura toujours aucun changement dans leur vie. Amen. Mais nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous avons la capacité de prier pour libérer ces captifs-là parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce mandat. Mais aujourd'hui, nous parlons de nous-mêmes. Bonjour et shalom, Frédéric Haute-Péréné. Bonjour. Il dit, je suis sans cesse victime des arnaques financières non-stop. Ça va stopper aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ça va stopper. Ces arnaques stoppent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Le Seigneur te donne la connaissance pour pouvoir discerner afin que plus personne ne vienne vous arnaquer. Donc, hier, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et nous nous sommes arrêtés au niveau où nous avons dit que, voilà, la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, nous savons que le Seigneur Jésus, en fait, en tant que chrétien, nous savons que le Seigneur Jésus a déjà remporté la victoire. OK. Il nous a déjà donné la victoire. Nous avons vu cela dans le livre de Colossiens 3, Colossiens 2, verset 15. Amen. Donc, Colossiens 2, verset 15, nous comprenons très clairement que Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Amen. Il les a livrées en spectacle. Donc, nous avons la victoire en Christ. Et nous sommes rappelés hier que ce n'est pas parce que nous avons eu la victoire en Christ que nous allons croire que le diable ne va pas se servir de ses stratégies pour nous persuader du contraire. Donc, son travail, c'est de venir discréditer la parole de Dieu. Il veut semer la confusion dans nos vies en créant des situations autour de nous, en créant des circonstances qui portent à croire que Dieu n'est pas dans notre vie, Dieu n'existe pas. Et de nos jours, il est devenu très créatif. Il utilise des moyens divers pour pouvoir s'attaquer à notre intégrité, pour pouvoir s'attaquer à notre attachement à Dieu, pour pouvoir nous attaquer, pour que nous puissions remettre en question les promesses de Dieu dans nos vies. Et sur cette plateforme, un jour, j'ai eu l'occasion de parler d'une situation que j'ai vécue dans un pays. Un jeune homme que je considérais vraiment comme quelqu'un de bien s'est présenté et j'ai remarqué des choses bizarres autour de lui. Et j'ai commencé à l'engager dans une conversation pour découvrir plus tard que, en fait, ce jeune homme-là faisait partie d'une... Je ne sais pas si je dois appeler ça une secte, mais plus tard, quand j'ai posé beaucoup de questions, j'ai compris qu'effectivement, il s'agissait d'une secte. Mais lui, il croit que en fait, c'est quelque chose de bien. Il le croit vraiment de tout son cœur. Pour lui, c'est quelque chose de bien. Et dans cette secte-là, leur but, c'est de discréditer Dieu. Ils vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas et que en fait ils se servent de la Bible hein, pour justifier leurs insinuations. Ils disent que Dieu, en fait, lorsque la Bible dit que faisons l'homme à notre image, que en fait c'était des aliens, des extraterrestres qui le faisaient, que le monde est contrôlé par des extraterrestres. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais quels sont vos rapports avec ces extraterrestres-là? Est-ce que vous leur demandez des choses, est-ce que vous priez aussi? Il m'a dit oui. Et là, j'ai compris qu'effectivement, il s'agissait d'une secte, et une secte dans laquelle, à un moment donné, on demande aux gens de se déshabiller et commettre des actes sexuels les uns avec les autres, en plein culte, vous voyez. Donc, il s'agit ici d'un jeune homme qui avait l'habitude de prêcher la parole de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu, il allait dans les rues prêcher la parole de Dieu. C'est lui-même qui m'a donné son témoignage. Mais finalement, il a compris que non, il était dans le faux. C'est maintenant qu'il se trouve dans ce qui est bien. Vous comprenez? Donc, le diable va venir avec la logique, il va venir avec la science, parce qu'il croit en la science. Il va venir avec la science, il va venir avec, franchement, l'intelligence mondaine pour essayer de nous dissuader. Et il n'est pas le seul. J'en ai rencontré aussi un autre, un monsieur, donc un peu plus âgé, qui me disait la même chose.
Et dans le même pays, j'en ai rencontré un troisième qui parlait du même, de la même chose. Je leur ai demandé aux deux derniers s'ils faisaient partie de ce groupe-là aussi. Ils m'ont dit non. Il y a l'autre qui m'a dit non, il est là, il y va, mais il n'y est pas, il n'est pas vraiment membre, parce qu'on leur a dit que vous pouvez adhérer, vous pouvez participer à des réunions, mais sans toutefois devenir membre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes. Ils ont une façon de vous attirer et au finish, vous allez finir par être membre parce que ça va vous plaire. Ce que vous allez voir là-bas, ils ont tout le temps de vous préparer, de laver votre cerveau. Donc, ceci, c'est pour nous faire comprendre que l'ennemi est en train de travailler. Et l'apôtre Paul nous a prévenu là-dessus. Il a dit, les gens viendront avec, que personne ne vienne vers nous avec un évangile contraire, différent de celui des bases, des fondements que eux, les apôtres, ont posés. Parce qu'ils sont venus donner les fondements. Si quelqu'un vient avec une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres, les fondements que le Christ a permis que nous puissions avoir pour notre marche avec le Seigneur, éviter ce genre de choses-là, parce que ce sont des attaques de l'ennemi, ce sont des appâts, ce sont des pièges que l'ennemi tend pour nous attirer, parce qu'il y a de l'intelligence, il y a des promesses, amen, mais des promesses avec des conditions cachées. Nous devons faire très, très attention. Donc, ce n'est pas parce que nous croyons que... Et certains tombent dans cette erreur-là. Pourquoi certaines personnes restent longtemps opprimées par les démons? Et parfois, ces personnes-là sont des chrétiens bien assidus, c'est des chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur. Mais on va se rendre compte que il y a des choses qui ne marchent pas, clairement, il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Et le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte de leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que oh, le Christ a remporté la victoire. Oui, nous sommes tous d'accord que Jésus a remporté la victoire. Mais l'ennemi est resté. Amen. L'ennemi est resté dans le monde. Amen. La Bible nous dit malheur à la terre car l'ennemi, car le diable est descendu. Il est descendu avec sa colère. Avec toute la colère, avec tout, avec, il s'acharne sur les enfants de Dieu. Amen. Parce que il a été exposé et il a été dépouillé de son pouvoir. Surtout pour nous, la nouvelle créature. Amen. Il ne peut rien contre nous parce que le Seigneur Jésus nous l'a promis. Il ne peut vraiment rien contre nous. Et ce n'est pas parce que nous savons qu'il ne peut rien qu'il ne va pas essayer quelque chose. Et comme je le disais hier, l'ennemi, lorsqu'il... Nous allons y arriver. Je ne vais pas aller plus vite qu'il le faut. Donc, c'était là juste un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier. Et je donnais comme ça l'exemple d'une amie à moi. Récemment, nous sommes allés prier dans un parc. Et c'est une amie, je la connais depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes, il y a certains problèmes dans sa vie, des problèmes vraiment récurrents dans un certain domaine de sa vie. Un jour, je lui ai proposé qu'on fasse un jeûne de 3 jours. Là aussi, j'ai remarqué qu'elle n'était pas trop partante parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué ces choses-là avec elle. Et finalement, un jour, elle m'a dit qu'elle se rendait au parc pour prier. J'ai dit, OK, je t'accompagne. Lorsque nous y sommes allés, on a prié. Je pense qu'à un moment donné, elle a vu la manière dont je priais et puis elle s'est arrêtée un moment. Elle m'a dit, elle a commencé à sourire à moi. Elle m'a parlé de ses problèmes, les problèmes qui... Les traits qu'elle a observés dans leur famille et tout. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a eu un moment dans sa vie où elle a eu à combattre ces choses-là intentionnellement. Elle m'a dit non. Donc nous avons commencé à prier par rapport à ça. Et je lui expliquais comme ça que voilà, ce n'est pas parce que nous croyons que le Seigneur a remporté la victoire, que l'ennemi ne va pas continuer de s'asseoir dans certains domaines de nos vies. Nous devons faire très attention à ce que nous à la manière dont nous comprenons la parole de Dieu. Elle fait partie d'une église où les gens, il y a vraiment la puissance de Dieu là-bas. Mais sauf qu'on ne met pas les gens en garde sur ce genre de situation-là. Voilà pourquoi on va voir quelqu'un dans une certaine situation, dans une même posture. La personne a la crainte de Dieu. Tu crains Dieu, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, tu es pasteur. Mais il y a des situations dans ta vie que tu as négligées. L'ennemi est assis sur... Et aussi longtemps que personne ne le dérange, il va s'asseoir là. Même si ce n'est pas toi, même si c'est peut-être... Tu as pu être délivré. Ta famille aussi a besoin de délivrance. Donc, nous devons faire toutes ces choses-là. Nous devons vraiment prendre ça au sérieux et comprendre. Mais je ne suis pas en train de dire cela pour faire peur à qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'ennemi est en train de travailler qu'on va avoir peur de lui. Nous avons déjà la victoire. Et lorsque nous combattons, on ne combat pas pour aller prendre la victoire. La victoire est déjà là. Vous comprenez? Nous allons comprendre tout cela aujourd'hui pour ceux qui ne le comprennent pas encore.
Amen. Et je disais hier que nous avons besoin d'avoir un plan d'action et ne pas nous engager, ne pas sous-estimer l'ennemi, notre ennemi, parce qu'il est vraiment acharné, il s'est vraiment acharné contre nous. Nous ne devons pas le sous-estimer, nous ne devons pas penser que, OK, il ne peut rien. Non, il peut faire quelque chose à quiconque lui donne la permission. Et la plupart du temps, on lui donne la permission à travers l'ignorance. On lui donne la permission à travers la peur. Et c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui. On lui donne la permission à travers beaucoup de choses, à travers la passivité. Amen. On est passif par rapport à certaines choses. Tu fais un rêve et tu décides comme ça de négliger ce rêve-là, un rêve où tu étais vraiment troublé. Tu décides de négliger ce rêve. Et j'expliquais hier que le rêve, en fait, lorsque nous faisons un rêve, ça ne veut rien dire d'abord. Pour un début, nous avons le pouvoir d'anéantir ça parce que ça fait partie des stratégies que l'ennemi utilise. Et nous allons parler de ça. Je pense que je suis en train d'aller plus vite. Amen. Ça fait partie des stratégies. Et aujourd'hui, nous allons aller tout droit vers la première stratégie, la toute première stratégie dont nous allons parler aujourd'hui. C'est que l'ennemi se sert, il nous inspire la peur. Amen. L'ennemi nous inspire la peur et la peur, c'est une grande arme. Amen. La peur, c'est une grande arme que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Amen. Il se sert de la peur. Il inspire la peur. C'est une stratégie majeure. Mais la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur. L'ennemi vient nous intimider. Donc, chaque fois que tu as peur, sache que la main de l'ennemi est quelque part. Surtout lorsqu'il s'agit de ta vie chrétienne, il s'agit d'une promesse que Dieu t'a faite. Il faut rapidement identifier la main de l'ennemi. Parce que Dieu, la peur ne vient pas de Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que on a fait, j'ai fait dans mes études, dans mon étude, quand je me préparais, j'ai découvert que dans la Bible, il est écrit, ne crains point, ne crains rien, ou bien quelque chose, des phrases du même genre, 110 fois dans la Bible. Nous ne devons pas craindre quoi que ce soit parce que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Et la peur est un esprit. 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Amen. Nous devons établir cela déjà. Donc, l'ennemi inspire la peur. Et la peur, c'est son arme principale que l'ennemi utilise. Et c'est une force spirituelle qui commence au-dedans de nous. Et elle est totalement destructive. La peur est vraiment destructive. Parce qu'elle commence au-dedans de nous. Et l'ennemi le fait pour venir nous dépouiller de ce qui nous revient normalement de droit. Amen. Ce qui nous revient de droit, il fait ça pour nous dépouiller la foi, pour enlever la foi, pour enlever notre confiance en Dieu, pour enlever la paix au-dedans de nous. Amen. À cause de la peur, donc l'ennemi vient créer cette situation-là pour faire en sorte que nous puissions, au lieu de fixer notre attention sur les promesses que Dieu nous a faites, nos regards sont plus fixés sur nos circonstances. Donc l'ennemi vient créer des circonstances autour de nous pour nous mettre dans la peur, pour créer la peur. Et une fois que la peur règne dans nos vies, la porte est ouverte. C'est une arme majeure parce que la peur s'accompagne du doute. La peur s'accompagne du doute. La peur provient du doute. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la paix. Et nous savons, la Bible nous dit clairement que sans la paix, sans la foi, autant pour moi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. Donc, le diable utilise la peur pour venir nous arracher notre foi. Parce qu'il sait que c'est par la foi que Dieu travaille en nous. Et hier, j'avais commencé à dire quelque chose. J'avais dit que lorsque nous voyons, nous avons des cauchemars, nous voyons des choses, des attaques et tout cela, même si ce n'est pas dans le rêve, que ce soit sous forme de vision ouverte, vision fermée dans le rêve, ou bien même des choses qui se passent physiquement autour de nous. Au début, ces choses-là sont vraiment pas, ne signifient pas grand-chose. Ces choses, au début, ne signifient pas grand-chose dans la mesure où nous avons la capacité de les stopper. C'est lorsque tu es passif, c'est-à-dire tu as fait un rêve où quelqu'un était en train de vouloir te tuer,
ou tu as fait un rêve où quelqu'un est venu entretenir des rapports sexuels avec toi, ou tu as fait un rêve où tu as vu quelque chose qui t'a troublé. La bonne attitude, c'est que dès que tu te lèves de ce rêve-là, tu dois proclamer pour annuler. Amen. Tu dois annuler parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de détruire les forces du mal. Le Seigneur nous a donné son mandat. Son mandat était, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Amen. Parce qu'il m'a envoyé pour libérer les captifs. Si tu te trouves captive dans ton propre rêve, ça ne veut rien dire d'abord. Ce que tu dois faire lorsque tu te lèves, tu dois savoir que tu as l'autorité. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et j'ai dit, l'autorité que nous avons reçue ne nous sera d'aucune utilité si nous ne pouvons pas l'utiliser ou l'exercer. Et l'une des manières d'exercer notre autorité, notre pouvoir sur les forces du mal, c'est en nous levant et en leur parlant, en les réprimant, en stoppant ce qu'ils ont commencé. Parce que la plupart du temps, lorsque l'ennemi te fait voir des choses, même si c'est quelque chose de physique, même les rapports sexuels avec des esprits, honnêtement, si tu te lèves et tu pries, tu annules ça, ça n'a aucun effet. Parce que la plupart du temps, avec cette situation-là, c'est pour créer la peur, c'est pour créer quelque chose en toi qui va te pousser maintenant à faire cette chose-là qu'il veut. Parce que l'ennemi veut que tu pèches contre Dieu. Il veut que tu fasses des choses contre Dieu. C'est vrai, en même temps, lorsqu'il vient avoir des rapports sexuels avec toi ou bien il vient avec des moi, il essaie de prendre quelque chose, mais tu peux récupérer cette chose-là. Mais ce n'est pas parce que tu as vu en rêve que la chose t'a été enlevée. Il veut créer le doute en toi. Il veut créer le doute en toi. Nous savons que nous avons déjà des gardes-fous. Notre garde-fou, c'est la parole de Dieu. Notre antidote contre les attaques de l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir comment contre-attaquer l'esprit de peur. Amen. C'est en utilisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Donc, l'ennemi vient d'abord créer la peur. Il vient semer, planter une semence de peur, de doute dans ton cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le doute ou la peur aussi vient de ce que l'on entend ou de ce qu'on voit. Donc, l'ennemi vient nous faire voir des choses. Amen. Il vient nous montrer des choses. Il vient nous faire croire qu'il est puissant. Même parfois, il y a quelque chose qu'on appelle l'épouvante paralysante. C'est-à-dire, tu es couché, puis tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas parler. Même parfois, tu arrives juste à dire le nom de Jésus dans ta pensée. Amen. Ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, il vient créer cette situation-là pour te montrer que non, il a un pouvoir sur toi, un pouvoir qu'il n'a pas. Toi, l'enfant de Dieu, le chrétien, non, c'est plutôt toi qui a reçu le pouvoir. La Bible nous le dit clairement dans le livre de Jean, Luc 10, verset 19. C'est ce que Jésus, c'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans exception. Et rien ne pourra vous nuire, quelles que soient les armes que l'ennemi utilise contre toi. Tu as le pouvoir sur ces âmes-là, contre toute la puissance, quelle que soit la puissance. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est vous pouvez mettre une cité au ciel. La sorcellerie, est-ce que c'est les rapports sexuels, c'est les esprits des eaux? En fait, il y a des gens qui connaissent tous les noms des démons, mais sauf qu'ils ne savent pas quoi faire de ces démons-là. Amen. Sauf qu'ils ne savent pas quoi faire de ces démons. Mais Jésus nous a donné le pouvoir sur ces forces-là. Donc, lorsque l'ennemi vient, d'abord, au début, c'est pour créer cette peur. C'est pour semer le doute. Et une fois que tu as peur, il voit que oh, tu doutes de la parole de Dieu. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc, lorsque l'ennemi vient, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est le premier élément que nous allons utiliser contre l'esprit de peur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Donc, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, lorsque tu as la parole, ton esprit doit être équipé pour contrer l'esprit de peur. Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Et on le dit, les hommes de Dieu nous enseignent là-dessus tout le temps, mais sauf que c'est comme si on n'y prête pas attention. Les gens choisissent librement de ne pas lire la parole de Dieu, de ne pas l'étudier. Mais nous comptons sur quoi au juste?
Si tu as des attaques spirituelles, ta vie ne marche pas, les choses ne marchent pas dans ta vie. C'est une forte raison pour toi de vraiment t'accrocher à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu la lis, tu l'étudies, tu es en train de donner des armes à ton esprit, des armes avec lesquelles ton esprit peut combattre en ta faveur. Ton esprit va rester en alerte. Ton esprit peut refuser des situations autour de toi, même quand tu es endormi. Parce que ton esprit est équipé par la parole de Dieu. Lorsque un mauvais esprit va venir pour vouloir entretenir des rapports sexuels avec toi, ton esprit étant équipé, ton esprit sait que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Ton esprit connaît toutes ces choses-là. Ton esprit sait que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ton esprit sait que tu as été transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et il prend ces informations-là et il l'emmagasine. Ça constitue une arme de défense et d'offense. Amen. Ça constitue une véritable arme de défense lorsque l'ennemi vient s'attaquer à toi, lorsqu'il cherche à s'attaquer à toi. Récemment, je partageais cette expérience avec un de mes petits frères ici. Et je lui disais que une certaine nuit, généralement, je me réveille à 1h30 pour prier. Ça, c'est quand peut-être je suis en jeûne. Et je prends un moment de jeûne de peut-être 3 jours. Mais il m'arrive souvent de me réveiller à 1h30 pour prier. Et lorsque ce jour-là en particulier, je m'étais couchée très tard. Je n'ai pas mis le réveil. Moi, je voulais juste me réveiller à 4h ou 5h30 pour me préparer pour mon live. Et alors, ce jour-là, autour de 2h, je me suis réveillée subitement comme ça. Sans aucune raison, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Je me suis juste réveillée. Et généralement, quand le Seigneur me réveille de la sorte, c'est parce qu'il y a un danger quelque part. Il veut que je prie. Mais j'étais tellement fatiguée, tellement j'avais envie de dormir, que j'ai négligé, j'ai continué de dormir. Et immédiatement, quand j'ai fermé les yeux, l'attaque a commencé. Enfin, j'ai vu, il y avait un esprit juste à côté de ma fenêtre, dehors, qui parlait avec la voix d'une femme. Et après ça, j'ai vu un autre esprit qui est venu avec une torche et a braqué la torche sur ma fenêtre. Je pouvais voir la lumière entrer, former un trait, et c'est venu me toucher. C'est là où j'ai compris que, j'étais en danger. Je me suis rapidement levée, j'ai commencé à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est notre esprit. Dieu a tellement équipé notre esprit à capter ces choses-là spirituellement, à capter les mauvaises ondes. Mais ton esprit peut faire ça lorsque tu es vraiment, tu le nourris. Amen. Ton esprit est capable de le faire. Quand tu le nourris, il va se mettre en alerte. Il est équipé. Tu le nourris de la parole de Dieu et de la foi. La Bible dit que la foi, c'est le bouclier. C'est notre bouclier. Nous devons prendre le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches ou tous les traits enflammés de l'ennemi. C'était un trait que l'ennemi est venu mettre en moi. Amen. Et à cause de la négligence, je dois l'avouer, et plusieurs personnes sont dans cette situation et ils ne le savent pas. Moi, la manière dont le Seigneur travaille avec moi, si je me réveille à une heure bizarre, parce que j'ai mes heures auxquelles je me réveille, mais quand je me réveille à une certaine heure, je sais que le Seigneur veut me dire quelque chose. Ce n'est pas forcément une attaque. Parfois, c'est juste le Seigneur qui veut que je me lève. Je prie parce qu'il veut me parler. Aujourd'hui, par exemple, je devais normalement me réveiller à 5h30. Mais je me suis réveillée à 4h10. Je n'avais pas mis de réveil, il n'y a rien eu. J'ai compris que le Seigneur voulait que je me réveille parce qu'il avait quelque chose à faire avec moi. Et j'ai eu cette expérience avec le Seigneur ce matin avant de venir me placer devant vous. Amen. Donc, nous devons vraiment prendre la parole de Dieu au sérieux parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, mais lorsque tu l'étudies, il y a des hommes de Dieu qui vont vous dire qu'ils vont écouter un message, un enseignement biblique plusieurs fois de façon répétitive. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont en train de donner des informations à leur esprit. Lorsque tu étudies la parole de Dieu, tu es en train de donner des informations à ton esprit pour qu'au moment venu, l'esprit sache ce qu'il faut faire. Lorsqu'il y aura des opportunités, ce n'est pas seulement pour te protéger des attaques. C'est pour que lorsqu'il y a des opportunités quelque part, que ton esprit puisse les voir pour toi. Parce qu'il est équipé, il est nourri. Il peut discerner le bien et le mal. Il peut comprendre ce qui est en train de se passer autour de toi. Il peut t'orienter.
L'esprit humain est très important. Nous devons collaborer avec cet esprit-là. Et Dieu nous a équipés. Il a uni son esprit avec le nôtre. Il y a union entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Et nous devons comprendre cela. Amen. Nous devons comprendre cela. Lorsque nous marchons avec le Christ, nous formons un esprit avec lui. Celui qui s'accroche à Christ, la Bible dit, ne forme qu'un esprit avec lui, avec le Christ. Amen. Donc, la parole de Dieu est un élément très important. C'est l'épée de l'esprit. Donc, lorsque tu étudies, tu médites, tu dors avec la parole de Dieu, tu te réveilles avec la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu l'étudies, tu la proclames. Tu es en train de donner des informations à ton esprit. Amen. Tu es en train de donner des informations à ton esprit. Donc, l'ennemi nous inspire la peur en remettant en question les promesses de Dieu. Dans Matthieu 14, par exemple, nous avons un cas typique. L'histoire de Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher, venir vers eux en marchant sur l'eau, Jésus lui a dit qu'il pouvait aussi le faire. Il lui a donné l'ordre de venir. Pierre est sorti de la barque, il s'est mis à marcher. Et à un moment donné, Pierre a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a vu les vagues et le vent. Qu'est-ce qui avait permis à Pierre de commencer à marcher sur l'eau? C'est la foi. En quoi? En la parole que Jésus lui a donnée. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre commence à s'enfoncer? C'est parce qu'il a vu les vagues. Ce ne sont pas les vagues qui l'ont enfoncé, mais c'est la peur qui a été créée à travers ce qu'il a vu. La peur a été créée en lui immédiatement. Lorsqu'il a commencé à voir les vagues, il ne voyait plus la promesse que Jésus lui a faite. Jésus était aussi face aux vagues et au vent. Mais Jésus lui a dit, marche et viens. Mais dès qu'il a vu le vent, il a regardé, il a vu. Donc, c'est ce que je disais. Nous nous focalisons sur nos circonstances au lieu de nous focaliser sur les promesses de Dieu. Jésus te fait une promesse, viens vers moi. Tu as le pouvoir. Je suis avec toi. Tu commences à marcher. La foi est là. Après un moment, tu commences à voir le vent, les vagues et tout ça. Donc, l'ennemi aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous montrer le vent, il vient nous montrer les vagues. Il vient rester autour de nous pour nous montrer que oui, tu vois, si tu t'amuses, je vais te faire cela. Et nous commençons à nous focaliser sur les vagues. Nous commençons à nous focaliser sur le vent. Amen. Et immédiatement, la paix nous quitte. La foi nous quitte et nous sommes animés par la peur. Et c'est là que l'ennemi réussit à appliquer son arme d'autodestruction. Parce que la peur nous autodétruit. On ne va pas voir les traces. Ce ne sont pas les vagues qui ont enfoncé les pierres. Donc, ce ne sont pas les attaques de l'ennemi qui vont te faire perdre tes miracles. Ce ne sont pas les attaques de l'ennemi. Son travail, c'est d'attaquer. Même quand tu vas croire qu'il ne peut rien, il va quand même essayer. Regardez ce qu'il a fait. Il a osé aller s'attaquer à Jésus. Pendant que Jésus était en train de chercher la face de Dieu, il est allé, il a pris son coup. Enfin, il a osé. C'est pour vous montrer à quel point il essaye. Il est toujours en train de tenter sa chance. Avec qui? Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, hein? Mais il rôde comme un lion. Il veut vous donner l'impression qu'il est un lion. Mais nous n'avons qu'un seul lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Le diable vient essayer d'imiter. Il vient essayer d'imiter, mais dans le mauvais sens. Il veut se présenter comme un lion, le roi de la forêt. Il veut créer la peur en nous. Mais il cherche la personne qu'il va dévorer. Et il ne peut dévorer que celui qui se rend disponible. Amen. Donc, nous devons comprendre que ce ne sont pas les vagues qui font en sorte que nous enfoncions. Ce ne sont pas les attaques, parce que tout ça, c'est quelque chose. L'ennemi utilise ça pour créer la peur. Et la peur, c'est une arme d'autodestruction. Toi-même, tu acceptes cela et puis ça commence à te détruire progressivement. Donc, nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cet esprit de peur? Comme je le disais, méditer la parole de Dieu parce que c'est l'épée de l'esprit. J'ai déjà expliqué ça. On ne va pas revenir là-dessus. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons la déclarer. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Lorsque tu proclames, lorsque tu parles, tu déclares, tu l'entends, ça entre dans tes oreilles. Ton esprit est davantage informé. Ça crée l'assurance autour de toi. Amen. Tu dois déclarer la parole de Dieu dans tes circonstances. Et la troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois réprimer l'esprit de peur. Tu dois t'adresser à lui.
voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu dois exercer ta domination sur cet esprit-là en ouvrant ta bouche pour faire des proclamations, pour réprimer cet esprit-là. Dieu nous a donné ce mandat de chasser les démons. L'esprit de peur est un esprit qui ne va pas te faire du bien. Amen. La seule peur, ce n'est pas une peur. Ce que nous devons avoir, c'est d'avoir peur de perdre notre couronne. Et nous n'avons pas à avoir peur de ça aussi parce que nous avons l'assurance du salut. Amen. Nous devons avoir une crainte, une révérence pour Dieu. Dieu ne suscite pas la peur en nous, mais il suscite la révérence. Il suscite la crainte. Amen. Il y a une grande différence entre craindre Dieu et avoir peur de Dieu. Les gens ont peur de Satan parce que lui, il vient créer la peur. Amen. Il vient comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion du tout. Il n'est pas du tout un lion. Amen. Nous devons vraiment le comprendre. Donc, si je peux vous laisser avec quelque chose aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que les circonstances que le diable crée autour de vous ou autour de nous, c'est pour nous faire peur. Et il sait que lorsqu'on aura peur, on va faire comme Pierre. On va commencer à s'enfoncer. On va commencer à s'enfoncer parce qu'on va laisser les promesses de Dieu et on va commencer à se focaliser sur nos circonstances. On ne va plus savoir que Dieu guérit. On va croire que non, il guérit les autres. On va même commencer à douter en disant que oh, les gens viennent fabriquer les miracles à l'église. Alors que ces gens sont en train de vivre leur miracle vraiment en bonne et due forme. Donc, nous devons comprendre que oui, la peur vient nous faire faire en sorte que nous remettions en cause les promesses de Dieu. C'est ça l'action majeure de l'ennemi contre nous. Donc, il ne faut jamais avoir peur, quel que soit ce que tu vas voir autour de toi, quel que soit ce que l'ennemi va venir créer autour de toi, les situations qu'il va venir créer autour de toi. Il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas céder à cet esprit-là parce qu'il vient ouvrir la porte. Je vous ai dit hier que lorsque vous avez peut-être des rapports sexuels dans le rêve, la porte n'est pas encore ouverte. Parce que parfois, il s'agit même des personnes qui pratiquent la chasteté. Ils ont vraiment la crainte de Dieu. Ils n'ont pas préalablement ouvert. Est-ce que vous êtes pas, ça ne vous est pas souvent arrivé? Parce que j'ai souvent des témoignages comme ça. La personne va pleurer en disant, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je prie contre ça, mais ça vient toujours. C'est parce qu'il y a une information que je dois avoir. Je vous assure, la parole de Dieu, si vous la prenez au sérieux, c'est l'épée de l'esprit. L'épée, ça veut dire que tu équipes ton esprit, tu la comprends. C'est-à-dire quand tu as accepté la parole de Dieu, l'ennemi ne peut vraiment pas te faire. Il va essayer, il vient s'attaquer à tout le monde. Tout le monde voit l'ennemi tout le temps, en fait, les actions de l'ennemi tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous dévorables. Nous ne sommes pas tous dévorables. Tu te rends dévorable par l'ignorance, tu te rends dévorable par beaucoup de fautes de connaissances, mais on peut périr. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître, nous connaître nous-mêmes. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, on connaît la parole. On se connaît, on se découvre. Va à la découverte de toi-même en étudiant la parole de Dieu et tu sauras qui tu es. Et ton attitude vis-à-vis de ces attaques-là va changer radicalement. C'est une promesse que je te fais. Nourris ton esprit, équipe ton esprit. C'est l'épée. Un esprit sans épée. Et l'épée là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Un esprit sans épée, c'est un esprit vulnérable. Tu ne peux pas aller en guerre sans avoir d'équipement. Et l'acteur principal dans ton combat, c'est ton esprit. Tu dois l'équiper par la parole de Dieu. J'ai trop parlé aujourd'hui. Je pense que je dois m'arrêter parce que si je ne fais pas attention, on va passer une heure de temps ici. Ce ne sera pas bien. Amen. Ça ne sera pas du tout bien. Donc, passez une excellente journée. Je pense que je vais essayer de voir dans quelle mesure vendredi, nous aurons un moment de prière. Mais ça sera le soir. Je veux d'abord que chacun puisse écouter et réécouter ces messages que je vous donne. Et peut-être vendredi, peut-être ce vendredi ou le vendredi de la semaine prochaine, nous allons passer peut-être un mois à parler de ce cas parce que beaucoup nous appellent avec les mêmes situations. Donc, nous pensons qu'il est temps que les gens soient vraiment libérés par la connaissance de la parole de Dieu. Si vous avez eu à prier, allez d'église en église. Je vous en prie, essayez la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu n'exclut pas la prière. Lorsque tu es équipé de la parole de Dieu et que tu te mets à prier, tu as des armes qu'il faut. Ton esprit est équipé. Amen. Donc, peut-être que ce vendredi, nous aurons un moment de prière le soir, vendredi soir. Je vous communiquerai, je vous donnerai plus d'informations là-dessus, vraiment pour aider le peu de personnes que le Seigneur envoie vers nous à sortir des griffes de l'ennemi une bonne fois pour toutes et à vraiment marcher dans les voies du Seigneur.
Donc, passez une excellente journée dans la présence de Dieu et rendez-vous demain à la même heure. Je prie que le Seigneur vous aide, qu'il vous guide, qu'il crée en vous cette soif de la parole de Dieu, qu'il crée en vous la faim de toujours être nourri par la parole de Dieu. Donc, passez une bonne journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et à demain, à la même heure, 6 h GMT. Au revoir.